Donc on a une équipe qui est encore réellement en prépa, sans faire de fausse modestie, sachant qu'il nous manquait Erwan Coutelet, qu'il nous manquait Clément Lequec, notre capitaine. Donc voilà, je craignais un peu ce match, mais c'est tout à l'honneur des joueurs, puisque c'est eux qui sont acteurs, encore une fois. J'ai un peu d'expérience pour savoir que nous, on met en place, on essaie de leur donner du cœur dans l'effort, et, parce que je leur ai dit d'ailleurs, j'ai basé ma causerie là-dessus, mais talent sans effort, il n'y a pas de résultat, et que les vrais champions, c'est ceux qui sont dans l'effort permanent, et que leur talent est permanent, forcément. Et que là, dans les deux équipes, il y avait du talent, chez eux comme chez nous, et peut-être qu'on a plus couru qu'eux, et c'est ce qui a fait la différence, puisqu'il y a des tournants dans ce match où ils peuvent très bien revenir à la marque. Nous, on peut prendre un peu de large aussi en première. Donc voilà, on est content, tout le monde a fait le taf, c'est-à-dire que de Max Verrier qui a raté le penalty, mes joueurs qui sont rentrés. Je trouve que tout le monde a été à la hauteur, mais c'est à l'image malgré tout de l'engagement et de l'investissement qu'ils ont depuis le 24 juillet, quoi.